Et oui, mais ce qui m'a aidé principalement, c'est le fait de reprendre du temps pour moi et d'aller faire mes cheveux. C'est ça qui m'a aidé, tu vois. C'est vraiment ça qui m'a aidé à reprendre confiance en moi et à me dire, Anifa, t'es bien. Donc arrête de te rabaisser. Tu peux faire plein de choses. Je sais pas, c'était l'élément déclencheur. Mes cheveux m'ont vraiment aidé. Ouais, en Ils fait, m'ont sauvé. quand tu as commencé à accepter ce que tu étais, à valoriser, C'est c'est ça. quand tu as commencé à valoriser clairement ce que tu étais, Ouais. que là, tu t'es senti mieux. Quand j'ai commencé à valoriser mes cheveux, à les entretenir, c'est là où on se dit, putain, les cheveux afro, c'est une force. Et ça c'est. Il y a plein de choses qui ont découlé après, sur le physique et toutes ces choses-là. Donc mentalement, je me sentais beaucoup mieux. Donc forcément, à la maison, je me sentais beaucoup mieux aussi. Donc tout le monde se sentait beaucoup mieux. Et du coup, je suis sortie totalement de ça. J'ai fait un travail sur moi-même. Je faisais exprès, je prenais mon temps pour moi, vraiment, mon moment de soi.